Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo haul. Eh oui, un petit haul. On est allé faire du shopping à la Défense ce week-end. La carte bleue, au revoir, voilà. Mais par contre, des super soldes. On a bien profité, oui. Toutes les deux. Surtout elle. Mais c'est pas grave, elle en avait besoin. On a envie de partager avec vous le déballage de nos sacs et de vous montrer tous les petits vêtements et autres qu'on s'est achetés. Bon, c'est surtout des vêtements et des chaussures. Enfin, c'est que des vêtements d'ailleurs pour la demoiselle et des chaussures pour maman. Voilà. Oui. On leur montre? Oui! Vous êtes prêts? Allez, vous voulez voir tout ça? On y va! À tout à l'heure! En premier, on est allé chez Clocard. Voilà. Alors, sur le sac, c'est écrit CA. Mais en fait, Clockhouse, c'est comme le petit frère de CA, si vous voulez. Avec les mêmes produits, quasiment rien près. Donc, en premier, cette petite jupe. Alors, faut savoir que j'ai pas trop l'habitude de porter des jupes ou des robes ou des choses comme ça, mais maman m'a dit ça pourrait bien t'aller. Alors du coup, bah je l'ai essayé, j'aime bien. En plus, elle est pas trop courte, pas trop longue, enfin normale. Et j'aime bien la couleur parce que les fleurs, elles sont rouges et vertes et jaunes et bleues et noires. Voilà, et j'aime bien ces couleurs là parce que c'est pas trop flashy et c'est pas trop sombre non plus. Et voilà. Donc, ensuite, on va éviter de tout faire tomber, ce serait bien. Ensuite, nous avons ce gilet bleu. Alors, il est fin, mais j'aime bien l'été quand vous sortez le soir par exemple. C'est fin et ça couvre quand même. Et voilà, j'aime bien la couleur aussi. Il est bleu avec des motifs aztèques. Et je trouve que c'est mignon. Chez CA, donc j'ai acheté d'abord un pantalon. C'est l'été, mais on ne peut pas toujours mettre des shorts. Et ça, c'est les pantalons tout légers en fait. Alors, le motif, j'adore. Je vous montre. J'essaie de vous montrer plus près. Voilà, c'est des petites fleurs, des petites fraises. C'est tout léger à porter, c'est habillé en même temps si on met des talons, mais c'est aussi très cool quand on le met avec des claquettes par exemple. Enfin, ouais. Je me suis acheté cette robe. Alors, elle est assez longue, mais je sais plus exactement où elle m'arrive, mais quasiment au niveau des mollets, au milieu des mollets. Et je la trouve très belle. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Le haut, est... en fait, c'est un... le dos, il est ouvert. Donc, bah, ça peut être bien pour l'été. J'ai aussi acheté une combi short noire avec le haut à bretelles. Et c'est ici, c'est croisé un peu. Alors, j'essaye de vous montrer, même si c'est pas facile. Tac, vous voyez, devant, il y a une espèce d'ouverture comme ça. Du coup. Ça donne un petit style et le petit short pour être vraiment en mode décontracte pour cet été. Le dernier article, c'est un poncho. Il est comme ça. Donc gris, écru, orange, corail même. Et il se porte comme ça sur les épaules pour... Juste quand vous faites la petite balade, vous savez, au bord de la mer le soir et que vous voulez juste vous protéger un peu parce qu'il fait chaud, mais l'air commence à rafraîchir, et ben voilà. Donc, je l'ai trouvé vraiment très beau. En plus, il était vraiment bien soldé et il m'est revenu à 5 ou 6 euros, je sais plus bien, mais ça valait vraiment le coup. La boutique suivante, c'était le magasin Jennifer. Voilà. J'ai pas acheté beaucoup de vêtements dans cette boutique. Hein. C'est plus Elia qui s'est lâchée sur les débardeurs.
Moi, j'ai juste pris des petits tops comme ça, vous voyez, avec des bretelles toutes fines. Donc un blanc et un noir. Hop, voilà, c'est les petits tops à moins de 5 euros qu'on met assez facilement sous les vêtements un peu transparents. Et par contre, chez Jennifer, je me suis trouvé des chaussures. Alors, je suis une fan de chaussures, en général des talons, mais on peut pas toujours être perché sur les talons, donc il faut aussi petites. Alors voilà, j'aime bien parce que les lanières elles sont toutes colorées, les petits clous là, c'est plutôt fashion. Voilà, et c'est super confortable. Je me suis beaucoup à faire acheter des barbeurs parce que j'en avais pas énormément et que c'est bien pour l'été. Donc premier débardeur. Je me suis pris à peu près, je crois, 3 fois le même, mais pas de la même couleur et pas avec le même trail et tout dessus. Dans le même style. Donc voilà, et je trouvais ça joli le débardeur simple avec juste la phrase comme ça. Donc voilà le même, mais en gris. Et je porte le même, mais en blanc. Ensuite celui-ci en rose fluo. J'aime bien la couleur parce qu'il est très flashy. Donc bah vu que ça va être l'été et que c'est l'été d'ailleurs, fait-on l'été. Et vu que c'est l'été, bah c'est très pratique. Et ensuite le dernier débardeur. Mais mon préféré, c'est celui-ci. Donc il est rouge. Je sais pas comment vous le voyez, mais si vous le voyez plus clair ou plus foncé, mais c'est vraiment un rouge flash. Avec des voleurs. Et donc, pour mettre en dessous des débardeurs et que vous n'ayez pas la démarcation des bretelles, parce que bah, c'est pas très très beau, bah, je me suis acheté des bandeaux. Donc c'est des tiens-gorge sans bretelles. Voilà. Je me suis acheté une deuxième paire de chaussures. Alors c'est des talons compensés noirs avec une fermeture éclair sur le dessus. Tac. Alors je les ai essayés et quand Elia les a vus dans mes pieds, elle m'a dit prends-les. Comme ils étaient à moins 50%, j'ai pas tellement hésité. Et puis bah, des chaussures, on n'en a jamais assez. Chez Poulainvir, on a acheté que pour moi. Mais j'ai trouvé les t-shirts trop mignons. Alors, c'est 3 t-shirts. Mais je trouvais vraiment beau. Et pour le prix, franchement, ça valait le coup. Donc, le premier. Donc voilà, c'est un sel et un poivre. Et c'est écrit, tu es mon sel, laisse-moi être ton poivre. Et c'est trop chou. Et quand maman me l'a montré, j'ai fait, ah oui, il est trop beau. Et voilà. Ensuite, celui-ci. Donc il est gris. Gris. Voilà. Et enfin, celui-ci. Donc il est bleu. Enfin, il est plus bleu que bleu marine, mais je pense que vous le voyez bleu marine ou même noir. Avec des encres. Et voilà! Un petit tour chez New Look où j'ai pas acheté beaucoup de choses. Je me suis acheté des petites chaussettes, mais alors ça c'était pas soldé, vous savez, c'est les petites chaussettes quand on met dans les petites chaussures basses, basket basses. Voilà, on en a toujours besoin donc tant qu'on y était. Alors ça je vous la montre. Hein. J'ai acheté aussi un peu de lingerie que je ne montrerai pas, mais. Celle-ci, il fallait que je vous la montre parce que je la trouve trop rigolote. C'est le genre de petite culotte que je mets pour dormir avec un petit t-shirt. Mais alors, ouais, c'est pas trop de saison. My Christmas pants. Mais enfin voilà, elle est trop rigolote. Et franchement, je sais pas si vous voyez, j'ai laissé l'étiquette 50 centimes. C'est pour ça que je vous la montre parce que je trouvais ça trop rigolo. Alors le devant, il est comme ça, juste avec un petit nœud. Mais voilà, l'arrière est comme ça et moi j'aime bien ce genre de petit sous-vêtements pour dormir, c'est toujours rigolo, voilà. Et je me suis acheté des sous-vêtements, mais ça vous regarde pas.
sinon ce serait très bizarre. Et je me suis acheté ce short. Donc en fait il est pas hyper court et en fait j'aime pas les shorts vraiment courts. Il arrive à peu près au niveau du genou. Et voilà. Il est bleu. Comme un... Enfin c'est jean quoi, c'est un short en jean. Et voilà. J'ai surtout fait mon shopping sur des pantalons. Alors c'est un peu le même que celui que je me suis pris en termes de matière et de forme que j'ai acheté dans la première boutique CA, mais les motifs sont différents, noir et blanc. Vous voyez, c'est vraiment du tissu très fin, très fluide et vraiment agréable à porter parce qu'il est légèrement satiné, il est tout doux. Et moi j'adore porter ce genre de truc parce que c'est vraiment, on est vraiment confort. La dernière boutique c'était H&M et franchement quand j'ai vu ce que je me suis acheté, enfin quand maman m'a montré, je suis tombée amoureuse. Elle est trop belle et c'est une... Attendez, il faut juste que je retrouve dans quel sens on la met. Donc voilà, en fait c'est une combi short qui est trop belle. Attendez, parce qu'en fait elle est casquette. Voilà, le devant il est là, voilà. Donc là c'est le devant et elle est pas très longue. Enfin, c'est une combi short. Et elle est rouge avec des motifs un peu, je sais pas comment on appelle ça, aztèque, non c'est pas aztèque mais bref. Et c'est la collection H&M Coachella. Et voilà, et c'est trop beau et elle est trop belle et je l'aime trop. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, j'entendrai, voilà. Explosez les pouces bleus, plein. Et comme ça, moi si vous m'aimez bien, et ben je reviens. Pas tout de suite aussi parce qu'Eliane part en vacances et donc pas trop de vidéos toutes les deux pendant à peu près 2 mois. C'est triste. Mais si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on essaye les tenues qu'on vous a présentées et qu'on fasse comme un lookbook, et ben il faut commenter et dites-nous oui, on voudrait bien. Et comme ça on le saura. Ça peut être bien. Et puis si vous voulez, vous le faites quoi. Voilà. C'est vous qui voulez, c'est vous qui voulez. Vos désirs sont des ordres. C'est ça. L'abonné est roi. C'est bien ça. L'abonné est roi. Et voilà. Donc, on va vous laisser. Oui. Ah non. J'ai oublié une chose. Quoi? Faut s'abonner les gars. S'abonner. Important, très important. Plus on sera d'abonnés sur la chaîne, plus vous aurez de vidéos. Oui. Plus on est fous, plus on rit. Ouais. Donc voilà. Sur ce les amis. Ciao. Bye bye. Ciao la compagnie. À plus. Dans le bus.